La dermatite atopique, c'est une maladie de la barrière cutanée, maladie des cornéocytes, protéines, maladie des lipides intercellulaires. On sait maintenant clairement, et ça fait partie des recommandations de l'ICADA, la grande instance qui génère des consensus pour le traitement de la dermatite atopique du chien, qu'apporter des lipides exogènes, donc des acides gras, va aller renforcer cette barrière cutanée. Ces acides gras, on peut les apporter soit par voie topique, soit par voie orale, et donc là, soit sous forme de complément, soit directement intégrés dans l'aliment. On sait que lorsqu'ils sont intégrés via l'aliment, généralement l'apport est supérieur et donc l'effet meilleur. Par ailleurs, cet aliment de soutien, comme Derme Défense, ne contient pas que des acides gras essentiels, mais aussi des vitamines, des oligo-éléments qui vont agir sur l'inflammation cutanée, et puis des protéines en quantité et de qualité. Donc effectivement, l'aliment est un moyen facile d'agir sur la barrière cutanée. Cette barrière cutanée, elle va rester défectueuse, donc c'est pas un aliment à donner sur un temps court, X semaines, c'est un aliment à donner continuellement pour corriger, par ce qu'on donne à manger à l'animal, le défaut de barrière inhérent à sa maladie.